J'ai rajouté l'automatisation des jours de fête, jours fériés. Il m'a parlé aussi des années bissextiles et qu'adviennent-ils des mois 30 jours? Alors pour commencer, le plus simple concerne les mois 30 jours. Alors c'est très simple, hein, j'ai testé moi-même les mois 30 jours, en l'occurrence par exemple 01-04-2018, avril comportant 30 jours, et cela fonctionne parfaitement. Alors, je lui soumettrai de revoir les tutoriels de création, vidéo 1 et vidéo 2, éventuellement vidéo 3, pour revoir un petit peu les formules qu'il faut adapter. Alors, deuxième problème qui est très simple à résoudre, ce sont les années bissextiles. Me semble-t-il qu'il m'a donné comme année bissextile 2020. Donc si je mets 01-02-2020, et en l'occurrence pour le mois de février, qui en 2020 comportera, il semblerait, 29 jours, donc je vais mettre 01-02-2020. Eh bien, je souhaiterais lui dire que le système Windows tient compte des années bissextiles, donc ça ne doit pas être un problème. En effet, là, j'ai bien 29 jours au 1er janvier, au 1er février 2020. Alors, par contre, pour ce qui est des jours fériés, je vais beaucoup plus m'attarder là-dessus. Hein, si je prends par exemple 01-05-2020, ou pardon, 2018, où là il y a pas mal de jours fériés, notamment le 1er mai, le 8 mai, etc., etc. Pour les autres mois, enfin en tout cas quelques mois de l'année, il y aura aussi des jours fériés. Donc j'ai totalement automatisé ce processus et j'ai rajouté à chaque fois qu'il y a un jour férié un petit F pour symboliser le jour férié. Alors je vais aller dans l'onglet jours de fête où là où tout se passe dans cet onglet. Dans un premier temps, j'ai créé une liste de données à partir des cellules E2 à E6. J'ai affecté un nom à cette plage et l'ai nommé année. Alors pourquoi j'ai affecté un nom? Parce que je vais m'en servir afin de créer cette liste de données, hein, afin qu'elle soit dynamique. Alors une fois que vous avez créé cette liste de données, où vous lui avez donné un nom, en l'occurrence moi je l'ai appelé année, vous devrez aller dans l'onglet formule et ici gestionnaire de nom. Et nous allons apporter quelques modifications afin que cette liste soit dynamique, c'est-à-dire si je rajoute des années supplémentaires 2022, 2023, etc., la liste de données les récupérera automatiquement. Alors pour ce faire, il faudra aller sélectionner année, aller dans fait référence à, nous l'avons vu précédemment pour la liste de données des salariés dans la troisième vidéo du planning, et remettre en place l'implication de deux fonctions décalé et nBval. À partir de là, si je rajoute, bon là ensuite je crée bien sûr ma liste de données, hein. Liste de données, je vous rappelle que vous créez à partir de données, validation de données, ici liste, et vous faites un F3 pour appeler la zone de nom que vous avez appelée année. Donc là, par exemple, si je rajoute l'année 2022, implicitement, l'année 2022 sera rajoutée automatiquement. Dans un second temps, et pour chaque jour férié de l'année, il faudra répliquer les formules que nous avons dans la plage des cellules G4 à G6. Alors, vous avez toutes les formules adaptées pour le jour de l'an, Pâques, lundi de Pâques, etc., etc. Et vous devrez les répliquer dans cette plage de cellules. Bon, par exemple, Pâques, eh ben, vous allez devoir, ok, récupérer la formule que vous avez ici et la mettre dans cette cellule. Donc, je vous laisse faire un arrêt sur image afin de récupérer toutes ces formules, pardon. Alors, les données dans ces cellules par rapport à ce que j'ai fait, par exemple, si je mets jour de l'an égale date A1, point virgule 1 pour janvier, pardon, 1, tout à fait, 1 pour janvier, attendez, je vais voir si c'est mois ou... Alors voilà, c'est année, mois et jour. Donc, année, ça sera par rapport à
la liste de données. Hein, pourquoi? Parce que je pars du principe que les jours fériés peuvent changer par rapport aux années que vous sélectionnerez. Donc je reprends 2018. Le deuxième critère, c'est le mois, donc c'est janvier. Et le troisième critère, c'est le premier jour de l'année. Alors, respectez bien sûr toutes ces formules afin de pouvoir les bonnes journées de jours fériés de toute l'année. Une fois ce travail effectué, nous allons pouvoir retourner dans Planning afin de mettre en place les jours fériés dans le calendrier. Alors, bien sûr, je vais retirer la protection afin de pouvoir travailler. Et nous allons pratiquement travailler à une chose près que sur des mises en forme conditionnelles. Alors, vous allez sélectionner toute cette page de cellules, ayez un mois comportant 31 jours. Vous irez par la suite dans Accueil, Mise en forme conditionnelle. Donc là, je ne vais pas les refaire. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc je vais prendre pour les jours fériés celle-ci. Je vais aller dans Modifier afin que l'on puisse voir ce que j'ai fait. Donc vous allez sélectionner Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et là, vous allez mettre Où. Et vous allez sélectionner entre parenthèses la cellule, la première cellule du G6. Alors attention, si vous avez des dollars, il faudra les retirer avec la touche F4. Et vous mettez égal jour. C'est autant pour moi, j'ai oublié de vous dire que je ferme tout, je reviens ici et j'ai oublié de vous dire que j'ai appelé, je vais y retourner, voilà, jour de fête. Alors jour de fête, ça va de B1 à B13. B1 à B13, alors toute cette plage, vous lui donnerez un nom afin de faciliter votre travail. Je l'ai appelé jour fête. Alors je reviens dans le planning, je resélectionne toutes ces cellules. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle, accueil, mise en forme conditionnelle. Je vais récupérer la mise en forme conditionnelle pour ces jours fériés, modifier les règles, donc je reviens dessus. Voilà, donc vous allez mettre ou G6, G6 c'est la première cellule du premier jour, ok. Bien sûr, attention, je vous le répète, si vous avez des dollars, les retirez avec les touches F4 autant de fois qu'il le faut. Et là, vous êtes égal, vous faites F3 afin d'avoir tous les noms et vous cliquez sur jour de fête. Donc je fais annuler, vous fermez votre formule, vous allez aller dans format et vous faites ce que vous semble bon, hein. C'est-à-dire, bon, moi j'ai mis du vert pour colorier la cellule, les bordures, ben, j'en ai mis une, c'est des traits horizontaux et verticaux que vous voyez ici, la police je l'ai mise en noir et avec du gras. Je clique sur OK, je clique sur OK, et à partir de là, appliquer bien sûr, OK, à partir de là, tous vos jours fériés apparaîtront dans votre planning. Donc là, par exemple, si je prends le 01-01-2018, je n'ai que le 1er janvier, jour de l'an, comme jour de fête. Si je prends 01-04-2018, ben là, j'en ai deux apparemment, le 1er avril et le 2 avril. Alors le 2 avril correspond, me semble-t-il, au lundi de Pâques. Alors, je reviens dans Planning et j'ai rajouté aussi un petit F. Alors le petit F, pareil, vous allez sélectionner toute cette plage de cellules et vous allez, vous allez mettre en place cette formule. Alors vous mettez si erreur parce que lorsqu'il n'y a pas de jour de férié, ça va vous mettre NA. Donc si erreur, entre parenthèses si, recherche V, je cherche la donnée qui est ici, hein, premier jour de l'année, si c'est un jour férié, je vais aller chercher par la touche F3, ben, toujours pareil, jour fête, ok, la plage de cellule où j'ai donné jour fête, la donnée que je souhaite renvoyer est la première colonne, hein. Je veux une valeur exacte, donc je mettrai faux, donc si tout ça est vrai, hein, si tu me trouves un jour férié dans la plage, je reviens ici, dans la plage que j'ai ici, ok. Ah ben à partir de là, je reviens dans ma formule, tu me mets un F, guillemets, sinon,
tu me mets du blanc. Alors, si erreur, le dernier argument vient compléter la formule si erreur. Donc, si en faisant ça, tu ne me trouves pas de F, ok, tu me mets du blanc. Donc, pour l'instant, je crois que j'ai bien. Ah, juste encore un petit détail hein, qui a quand même son importance. Donc j'ai mis les jours fériés de couleur verte pour ne pas confondre hein, avec le jour, nous sommes le 2 mars aujourd'hui, avec le jour d'aujourd'hui quoi. Donc voilà, par exemple, si je mets le 01-03-2018, donc le 2 mars, c'est aujourd'hui. Et là, par contre, le jour enfin, d'aujourd'hui sera d'une couleur rouge. Une fois que vous avez terminé, bien sûr, vous pourrez de nouveau protéger votre feuille. C'est ce que je fais. On me demande de confirmer. Et voilà. Donc voilà, je recommence un petit peu avec le mois de mai, par exemple, hein, où là il y a plusieurs jours de férié. Voilà, tout se met en automatique. Donc c'est quand même un repère assez important. Je crois que avec les 4 vidéos que je viens d'effectuer sur ce planning, je pense que nous avons réellement fait le tour de toutes les problématiques que nous pourrions vivre hein, au quotidien. Donc j'espère que cette partie vous a plu. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir.